La série Sitôt commence essaie toujours d'être au plus près de la réalité des grands chefs et des cuisines dans ses épisodes. La production du P. Comme si vous y étiez. C'est la promesse d'Sitôt commence qui plonge depuis des mois les téléspectateurs dans l'univers impitoyable d'une école formant des grands chefs. Que ce soit les techniques de cuisine ou encore les problématiques rencontrées par les professeurs et les élèves, le spin-off de la série Demain nous appartient ne laisse aucun détail au hasard. Francis Huster qui incarnait le chef Auguste Armand, fondateur de l'école du même nom dans le programme. C'était même inspiré de grandes figures du milieu pour jouer son rôle. J'ai pensé à de grands hommes, devant le miroir. Je voyais Pierre Gagnaire, l'un des meilleurs chefs au monde. Donc, je me suis fait un peu son physique. Avec sa barbe, avait-il confié à Télé 7 jours. Je me suis demandé qui était Armand, de l'autre côté du miroir. J'ai alors pensé au chef Bernard Loiseau, qui s'est suicidé. Je me suis dit que, pour Armand, ce serait pareil, qu'il pourrait vivre un drame de l'autre côté du miroir. Et pour que les scènes derrière les fourneaux soient plus crédibles que jamais. Toute l'équipe d'Sitôt commence a été assistée par un professionnel. L'ensemble du casting a eu droit à un chef étoilé les premiers jours de tournage pour se faire la main. Avait révélé Clément Rémia à Paris Match. L'interprète de Maxime Delcourt a même travaillé aux côtés de Jordan Hust. Un ancien candidat de Top Chef. Plonge, découpe des légumes ou encore service en salle, le comédien a touché à tout pour parfaire son personnage devant les caméras. Mais ce n'est pas tout. La production de la série de TF1 a eu le droit à un petit coup de pouce pour gagner en crédibilité. Comme le rapporte Téléstar, certains chefs du programme ont l'inscription « Meilleur ouvrier de France » brodée sur leurs uniformes. Seulement voilà, c'est une marque déposée que seuls les professionnels peuvent utiliser. La production d'Sitôt commence est la première à avoir obtenu le droit de l'utiliser dans une fiction. Révèle Téléstar. Un privilège qui permet à la série d'être au plus près de la réalité.